أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بوجهه وجماله وعظيم سلطانه Je me mets sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les démons du Satan banni, demandant la clémence d'Allah et la miséricorde. Chers frères et sœurs en islam, la louange à Allah qui est attribuée à ses serviteurs au cours de leur vie, des étapes de rappel et des avertissements, Allah subhanahu wa ta'ala a usé avec la générosité durant des périodes bénies, ils ont doublant des efforts et récompensé les êtres humains à l'occasion que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à nous dessiner. Nous le remercions, nous le glorifions, nous répandons vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous cherchons sa clémence et sa miséricorde. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités méritant d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste que Mohammed al-Amin est son serviteur et son messager. Que la prière, la paix et la bénédiction soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et tous ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, les occasions que Dieu donne pour pouvoir se rappeler et revenir vers lui, d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Le messager dit, fais le bien en permanence et saisis les opportunités gracieuses que Dieu vous a offertes. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala offre les opportunités en tout par sa grâce qu'il veut. Rapporté par Tirmidhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés en nous donnant des moments de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les mois sacrés d'Allah, il y a 4 mois qui sont sacrés. Allah dit Inna iddat ash-shuhur inda Allah isna ashra. Le jour où Allah créa les cieux et la terre, il a choisi 4 mois sacrés. Parmi les 4 mois, nous sommes dans le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque glorifie et respecte ou non ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit sacré, tu auras des mérites, car nous visons notre chemin. Et parmi dans les mois sacrés, qui est Zulqa'da, qui est Zulhijja, qui est Muharram, les 3 qui se suivent. Et Zulhijja, nous allons parler sur le mois de Zulhijja qui correspond au dernier mois de l'année islamique. Et parmi les derniers mois de l'année islamique, il se trouve les premiers décades, c'est-à-dire les premiers jours que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, en mettant des jours, des moments pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qu'Allah nous dit dans la sourate 83, versets 1 à 3. Par l'aube et par les deux nuits, le père et impair. C'est-à-dire, par l'aube, Allah il jure à tout ce qu'il veut. Mais il interdit à un être humain de jurer si ce n'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa layali al-ashr et les deux nuits, qui du nuit du le jour. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui pénètre le jour dans la nuit. Qui pénètre la nuit dans le jour. Et un père qui est et père. Un père qui est Ayom Tassa, qui correspond à Rafa, et père qui est Eid al-Adha, qui Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a honoré, que les musulmans fêtent sur l'espace de la terre, qui correspond au jour de l'immolation des bêtes pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala qui est Tabaski. Alors, le premier et le deux correspondent aux 10 premiers jours de Zulhijja, le mois lunaire. Parmi le 9e jour, c'est le stationnement de Arafat et le plié le plus important du pèlerinage. Le stationnement de Arafat qui est le plié le plus important de la pèlerinage. Ce jour-ci, des millions de pèlerins se rassemblent à Arafat
il invoquant, il glorifiant et prennent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour, chers frères et sœurs en islam, c'est un jour symbolique. C'est un jour symbolique. C'est un jour que Allah subhanahu wa ta'ala glorifie ces gens. Il est venu dans le hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hajj Arafa. Le pèlerinage c'est Arafa. Quiconque qui a eu Arafa, qui a participé au stationnement de Arafa, c'est comme il a fait le Hajj. Et quiconque qui n'a pas eu à participer dans le stationnement de Arafa, c'est comme il n'a pas fait le Hajj. Et le Hajj qui correspond à l'un des piliers de l'islam. Et Arafa qui est l'un des piliers de la pèlerinage. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous guide sur notre chemin. Et plusieurs points dominants, excellents, cette journée. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait prêté ses mains en évoquant ses 10 nus. Ses 10 nus. Dans la sourate 83, verset 1. Par l'aube et par 10 nus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que ces jours étaient les meilleurs de l'année pour celui qui veut bien agir. Pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en jeûnant, en faisant des bonnes œuvres, en achetant des moutons pour donner à les nécessités, en donnant la joie à la famille, les familles et aux orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage aussi à accomplir des bonnes actions pendant ces jours de fait de la valeur instantanée et ce temps précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de louer et proclamer la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala dans les 10 derniers. Chers fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés en mettant dans nos destins des jours, des moments. C'est à nous d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher la miséricorde d'Allah, de chercher la clémence d'Allah. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous guide sur le droit chemin. Fait partie de ces 10 jours que nous avons dit, le stationnement de Arafat. Et gêné dans ça, le messager d'Allah, Père et l'idée, soit sur l'idée, que quand gêne le jour d'Arafat, ça expire le péché de l'année écoulée et l'année précédente. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Cependant, ces jours que Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifie, il va essayer de glorifier sa grandeur. Si les anges, en les disant, regardez, mes créatures sont venues dans tous les espaces de la terre, dans tout l'espace de la terre, dans tous les continents, dans un seul endroit, à un seul moment, qu'est-ce qu'ils recherchent? Pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah. Alors ce jour, c'est un grand jour. Chers fidèles musulmans, nous devrons donc prendre conscience des bienfaits que Dieu va nous donner des récompenses et des mérites de ces 10 derniers jours. Et de ces 10 premiers jours du mois d'Arafat, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la compréhension. Mais nous allons dire, parmi les 10, il y a des travaux qu'un musulman doit faire. Les liens de rapprochement, il est très important. Tu peux acheter des moutons pour donner, tu peux partager en jeûnant dedans à Yom Tassri, qui est le 9e jour de l'assassinement d'Arafat. Ça, c'est le mérite. Le 10e jour qui correspond à la prière d'Aïd el-Kiber, qui est les gens qui n'ont pas eu la chance d'effectuer le Hajj. Qu'est-ce qu'un musulman peut faire sur les 10 que Allah subhanahu wa ta'ala a respecté. Mais lorsque Allah respecte quelque chose, Allah nous enseigne de faire des bonnes œuvres. Les musulmans, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois se rapprocher à Allah en gênant, en faisant des bonnes œuvres. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Alors, aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui vont se diriger vers le lieu saint pour aller chercher la miséricorde d'Allah, pour aller s'acquitter du 5e pilier de l'islam. Quiconque respecte le jour que Allah subhanahu wa ta'ala a respecté, Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre dans le paradis. Et quiconque s'en fout, qui néglige la prière, qui néglige la zakat, qui néglige les bonnes œuvres, qui néglige aussi le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire.
Alors, chers fidèles musulmans, le temps c'est ta vie. Le temps c'est ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Mal marra illa hadithan. Fakun hadithan jusqu'à ba'da. L'être humain n'est que parole. Le temps qu'Allah t'a donné dans la vie d'ici-bas, c'est la parole. Le juste quittera au bas monde ici. Toutes les bonnes actions que tu as faites ici, c'est ce qu'on va rencontrer derrière toi. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Anaktoum ma kaddamu wa asarahum. Dieu va écrire les bonnes œuvres que nous avons faites pour mettre devant nous, wa asarahum, et nos traces sur la terre que nous avons laissées, nos traces, les bienfaits que nous avons donnés, les immolations que nous avons faites, que Allah subhanahu wa ta'ala va nous écrire, qu'il va nous juger au dernier jugement. Qu'Allah nous puisse sur le chemin, qu'Allah nous facilite la compréhension. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne les péchés, qu'il pardonne les péchés. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous assiste, qu'il nous guide sur le droit chemin. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la vie d'ici-bas et qu'il nous donne jannat al-firdaws. Wa haza wa sallallahu ala khairu bariya. Allahumma laka alhamdu wa anta al-mushtaka. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك التقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من درك الشكاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله وكفى نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Duka mai bidar dace yazo ya biyo mutibin mu mu gaisuwa don kauna jinjina ga TV na kallanta dole ne guna gaisuwa don kauna jinjina ga TV mu